Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Dans moins d'une heure, vous suivrez un événement en direct sur les antennes de RTI, le plus grand avion commercial du monde. Airbus A380 de la compagnie Air France se posera pour la première fois en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest ce mardi. C'est à l'occasion du Forum international des investissements en Côte d'Ivoire, dont la compagnie Air France est partenaire. Et la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, sera à bord de ce vol Paris-Abidjan en Airbus 380 en présence du président directeur général d'Air France. Et justement, le Forum international des investissements en Côte d'Ivoire, ICI 2014, s'ouvre demain à Abidjan, rendez-vous incontournable du renouveau économique ivoirien. Le Forum Investir en Côte d'Ivoire réunit les plus grandes entreprises africaines et internationales, hommes d'affaires, opérateurs économiques et institutionnels. Tous seront présents et l'enjeu du Forum, booster l'investissement privé en direct, établir des partenariats publics-privés. Le vice-président de la République fédérale du Nigeria, actuellement en Côte d'Ivoire, prendra part demain au Forum Investir en Côte d'Ivoire. Avant ce rendez-vous, il a eu une rencontre avec le premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Au menu, le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Suivons ensemble ce reportage du Gavibli. La visite de travail et d'amitié de 48 heures en Côte d'Ivoire du vice-président nigérien a été l'occasion pour lui de faire avec le premier ministre Daniel Kablan-Duncan un large tour d'horizon des questions bilatérales et de l'actualité en Afrique et dans le reste du monde. Le premier ministre et son hôte, le vice-président Mohamed Namadi Sambo, ont constaté avec joie la convergence de vues existant entre les chefs d'État de la Côte d'Ivoire et du Nigeria sur les questions sous-régionales et internationales. À l'occasion des échanges qu'ils ont eus, le vice-président du Nigeria et le premier ministre ivoirien ont marqué leur volonté commune de renforcer la coopération entre leurs deux pays. Ils ont souligné la nécessité d'un partage d'expériences bénéfiques aux deux pays dans divers domaines, notamment en matière minière, énergétique, agricole et de transformation manufacturière. Ils ont par ailleurs évoqué la possibilité de coopérer étroitement et de mutualiser leurs efforts tant dans l'exploration pétrolière, l'approvisionnement et le développement de l'industrie pétrolière que dans la mise en place d'infrastructures pétrolières adéquates. Ils ont enfin décidé de favoriser des synergies entre les chambres de commerce et d'industrie des deux pays par un projet d'accord en cours de finalisation. S'agissant de la desserte du Nigeria par la compagnie Air Côte d'Ivoire prévue en mars 2014, la partie nigériane a promis examiner la demande ivoirienne avec une attention particulière. Au niveau multilatéral, les deux hommes d'État ont jugé nécessaire que leurs deux pays puissent conjuguer les efforts en vue d'accélérer la réalisation des projets communautaires, notamment le projet d'autoroute Abidjan-Lagos. Avant de quitter Abidjan, le vice-président du Nigeria prendra part, avec la délégation qui l'accompagne, à la cérémonie d'ouverture du Forum Investir en Côte d'Ivoire ce mercredi. Et ce mardi, le vice-président de la République fédérale du Nigeria a été reçu en audience par le chef de l'État, Alassane Ouattara. L'entretien a eu lieu tout à l'heure même à la résidence du président de la République à Cocody. Au cœur de la rencontre, l'élargissement des relations entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria dans divers domaines. Hors de la Côte d'Ivoire, en Égypte, s'est ouvert ce matin un des quatre procès du président islamiste Mohamed Morsi pour son évasion de prison lors de la révolte de 2011. Ce nouveau procès s'est ouvert au lendemain de l'appel sans surprise que l'armée égyptienne a lancé à son chef. Le maréchal Abdel Al-Sissi, nouvel homme fort du pays, a présenté sa candidature à l'élection présidentielle prévue dans 3 mois. Sachez que Mohamed Morsi, poursuivi pour évasion en complicité avec des membres du Hamas palestinien, du Hezbollah libanais et du mouvement djihadiste, encourt la peine de mort. L'ONU veut mettre fin à la crise qui secoue la Centrafrique. Le Conseil de sécurité vient d'adopter justement une résolution
autorisant le déploiement d'une aide militaire européenne dans le pays. L'ONU demande par ailleurs au gouvernement centrafricain d'accélérer la transition politique. Le texte menace également de sanctions les perturbateurs qui bloqueraient cette transition ou commettraient des exactions. Le gouvernement centrafricain a donc le soutien de l'ONU pour le retour à la normalité dans le pays. Le nouveau Premier ministre, André Nzapayeke, s'est installé ce mardi même à la primature après une passation de service avec son prédécesseur, Nicolas Tiangaï. Mais le pays, comme vous le voyez, est toujours en proie aux violences. Des milliers de civils continuent de fuir, de passer les frontières pour échapper aux exactions. En Ukraine, les événements se précipitent. Le pays est sans gouvernement. Le Premier ministre a démissionné et le président ukrainien Viktor Yanukovych vient justement d'accepter cette démission du chef de gouvernement et par conséquent de l'ensemble des ministres. Les parlementaires, réunis depuis la matinée en session extraordinaire, ont abrogé les lois du 16 janvier réprimant presque toute forme de manifestation. Mais nouveau rebondissement, la session extraordinaire des parlementaires a été suspendue, faute d'accord, sur une amnestie générale des prisonniers. Une autre rencontre est prévue demain. Et en bref, en Thaïlande, les élections législatives auront bel et bien lieu dimanche prochain. Déclaration de la première ministre thaïlandaise. Elle maintient ses élections malgré les menaces de boycott de l'opposition. Et les négociations de paix à Genève ont été suspendues ce mardi. Après un premier échec lundi, le médiateur de l'ONU pour la Syrie a tenté de remettre la question cruciale de la transition politique sur la table des négociations entre les délégations du pouvoir et celles de l'opposition. Les négociations sont donc en panne. La délégation de Bachar el-Assad accuse Washington de livrer des armes aux rebelles en Syrie. Mais Lakhdar Brahimi persévère et entend poursuivre les discussions. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête. On se retrouve à 20h.